first time that you called my name. I hate to think just what you saw. An ungroomed wild down and out that slept in tidy circles on the floor. But I don't live there anymore, and I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all, I've found a home where I belong. I used to live from day to day. There's not much complication chasing. Bon matin! Bon matin, les filles! Bon matin! Créatif-tu allô? Non! Non! C'était un vraiment beau matin. Non! Je mets au iPad de partie. C'était vraiment, vraiment un matin vraiment parfait. Là, il est rendu 7h42. Je suis tellement dans mon temps. Zoé est venue me rejoindre vers 6h30. J'étais en train de... Je sais pas pourquoi je mets mon flasher ici, il n'y a même pas deux places. J'étais en train d'allaiter Axel. Après ça, Elia est venue nous rejoindre parce qu'elle entend du Dora jouer dans ma chambre. Fait après ça, je dis ok, je vais tout de suite me préparer, mais vous avez sûrement remarqué, je ne suis pas... Ben, je suis pas préparée dans le fond, là. On va dire ça de même. Parce que aujourd'hui, il annonce 20 et je dois travailler dehors. Alors, c'est sûr que je veux bronzer. Alors, je veux au moins avoir un fond. Parce que, comme je vous disais, j'ai hâte d'arrêter de me maquiller. Mais déjà là, là, je trouve que ma peau est vraiment moins pire que, mettons, en plein milieu d'hiver. Je reçois tout le temps plein de crème. Enfin, j'essaie tout le temps plein de crème. Mais là, je ne vous cacherai pas, j'ai fait une campagne avec Karine Jonca sur la nouvelle crème Rose Alif. Fait que, tu sais, je l'ai essayé pour vrai. Fait que maintenant, enfin, c'est comme un 4 en 1. C'est, contre les rougeurs, contre les rides, puis hydratant, quelque chose comme ça. Puis sérieusement, là, c'est juste ça que je mets depuis comme, je pense que ça fait 2 semaines, tu vois. Matin et soir, d'attitude, puis je me lave bien la face, puis je trouve que ma face est vraiment moins épée. Tu sais, j'ai comme vraiment beaucoup de cicatrices, puis ils ont vraiment moins, sont moins apparents. Donc, c'est ça, je sors sans maquillage, avec une toque sur la tête. Quoi? T'as oublié ton sac à la maison? Ben non, tu l'avais dans les mains. C'est ça. Fait que là, mais il fallait quand même que je m'habille et je prépare les choses des filles puis d'Axel. Donc, Axel, quand il s'est endormi après que je l'ai allaité, je l'ai mis dans sa balançoire. Puis là, maintenant, depuis que je le wrap vraiment bien dans sa balançoire, il s'endort. D'habitude, dès que je le déposais, il était pas bien. Mais j'ai comme compris, après 3 enfants, que, tu sais, les bébés qui aiment ça, ben tous les bébés aiment ça, la chaleur et tout. Donc, de se sentir plus en sécurité, mais il aimait pas ça être emmailloté, moi. Fait que ça marchait comme pas, mais je l'emmaillote à moitié, en tout cas. Je l'avais montré sur Instagram hier. Là. C'est vraiment juste qu'il se sente comme vraiment bien entouré de chaleur. Oui, mon amour? C'est papa ou c'est toi qui veux faire le sac? On va voir. Non, dis-le moi. Ça va être papa. C'est ça. Donc là, je me suis préparée pendant que les filles finissaient Dora dans la chambre. J'ai préparé toutes leurs choses. Puis après ça, j'ai préparé leur sac à... Qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs à collation? Peut-être des céréales avec leurs vitamines. Fait que, tu sais, nous, renforcement positif, ça fonctionne quand c'est dans l'immédiat. Il y en a vraiment beaucoup qui me disaient de faire ça pour les dodos, mais moi, ça marche pas quand que c'est comme plus tard que maintenant. Oui? Ah? C'est cool, hein? C'est fou comme Zoé a dit tout. Qu'est-ce que ça sort? Elle dit c'est un petit perroquet, genre. Ok, Eléa, tu fais exprès, mon amour. Ok? Donc, c'est ça. Donc là, je suis rendue renforcement positif. Donc, je me suis dit 2 étapes. Première étape, qu'est-ce qui est difficile chez nous, c'est ça, c'est de décrocher de la télé ou de juste décrocher de ce qu'ils font pour s'habiller.
Donc là, j'ai préparé des sacs à collation puis des vitamines pierre à feu. Oui, chez nous, des vitamines, c'est comme... ils aiment bien les prendre. Fait que j'utilise ça. C'est mieux que des Smarties le matin, on va se dire. Donc, première étape, tu t'habilles avec tes cheveux inclus et c'est ta vitamine. Ensuite, tu vas mettre tes souliers parce que en bas, tu sais, comme je vous dis souvent, là, en bas, c'est la même pièce que ma salle de jeu. Fait que souvent, quand moi je finis de préparer Axel, là, ils ont tout mis le bordel. Fait que deuxième étape, souliers, manteau, puis je vous donne vos sacs de céréales pour le tour. Ça l'a vraiment, vraiment bien été. Ben, excusez, je suis allée porter les filles parce que ils voulaient mettre de la musique. Là. Ils arrêtaient pas de me piocher dans le banc pour que je mette de la musique parce que, tu sais, d'habitude, on met de la musique puis on danse le chemin de la maison à la garderie. Donc, hein, je me suis dit que je leur ferais plaisir. Donc, j'étais rendue à la routine de quand ils sont avec moi, dans le fond. Quand ils sont pas avec moi, pardon. Après la garderie, ça passe super vite, même si on va les chercher tôt parce que nous, on fait tout tôt. Tu sais, on vient les chercher vers 4h, 4h15, le temps de la garderie sous le temps long. Nous autres, on jase avec tout le monde. Les amener à la maison. Quand il fait beau, ben là, ils jouent dehors le temps que Max prépare le souper. Parce que maintenant, c'est Max qui fait les soupers. C'est tellement le fun. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, on soupe, il est comme 5h. Après ça, s'il y a le bain à... Ben là, l'été, on prend le bain tous les jours. Mais tu sais, l'hiver, c'est comme une journée sur deux. Surtout que Zoé, elle a la peau super sensible. Là. Vous avez vu son eczéma. Donc, le bain, comme on a le temps d'écouter une émission de Passe-partout. Deux, si tout a vraiment bien été. Parce qu'on commence la routine entre 6h30, 6h45. Parce que les filles, ils niaisent vraiment longtemps dans leur lit. Fait que des fois, ils ne s'endorment pas avant 8-9h quand on dépasse 7h. Donc, c'est ça. Puis on les couche, histoire, minouche, dodo. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Quand ils sont avec moi, c'est ça que vous vouliez le plus savoir pour les mamans à la maison. Je pense que vous êtes beaucoup de mamans à la maison en congé maternité qui écoutent mes vlogs. En fait, c'est comme une route. Avant, j'avais une routine, puis là, depuis que j'ai accès, je l'ai un peu modifiée justement pour avoir du temps avec tout le monde. Le matin, souvent, là, ils se lèvent vers 6h, tout le monde. Puis Axel, le matin, il fait juste dormir. T'sais. Fait que j'en profite, je le fais boire, je le mets dans l'écharpe tout le temps, puis on joue à plein de jeux jusqu'à temps que les filles soient tannées. T'sais, il y a comme un quota à mener les enfants. Là. Souvent, ils disent que c'est maximum 15 minutes par jeu. Des fois, là, on peut en jouer là, 6-7 comme il faut. Puis ça va super bien. Puis quand je vois qu'ils commencent à niaiser, parfait, je sors les jeux, les filles, allez jouer en bas. Fait qu'ils vont jouer soit en bas dans leur salle de jeu ou que c'est vraiment le bordel tout le temps. Des fois, je fais le ménage, mais comme, vraiment pas souvent, là, j'ai une porte. Fait que conseil à ceux qui sont en autoconstruction ou qui cherchent une maison, une salle de jeu avec une porte. Parce que quand t'es vraiment dans le jeu puis que tu reçois, tu fermes la porte. Et c'est réglé. Donc, c'est ça. Ils vont soit dans la salle de jeu, soit... en haut dans leur chambre aussi, là, t'sais, ils ont une grande chambre, c'est leur chambre ensemble, fait qu'ils amènent des jouets en haut, puis ils jouent. Puis pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour soit ramasser, ou des fois, je prends Axel, puis je relaxe avec lui devant un vlog ou devant une série Netflix. Puis là, 11h arrive vite, parce que maintenant, j'ai couche à 11h. Donc à 11h, je vais ensemble dans leur chambre, je leur lis tout le temps une histoire. Puis je sépare. Maintenant, je sépare parce que si on pouvait niaiser pendant 4 heures, je sépare. Chacun leur tour, ils vont dans mon lit. Puis ils s'en souviennent comme qui est allé dans mon lit. Puis l'autre a le droit de choisir entre soit dormir dans son propre lit ou dormir dans le lit à sa soeur. C'est le même gang, juste un à droite, un à gauche. Mais hein, ça leur fait plaisir. Fait que ça, et depuis que je fais ça, je me ne lève pas une fois. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, là, des fois, ça pouvait prendre 2 heures à je montais. Puis à chaque fois, à chaque jour qu'il était avec moi, j'étais à bout à cause de ça. Fait que je trouvais ça vraiment plate. Puis je me suis rappelé qu'est-ce que l'infirmière à Zoé m'avait dit quand elle était bébé. Elle avait comme 3 mois. Puis elle dormait jamais plus que 10 minutes. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Fait qu'elle me disait, le meilleur truc, là, c'est que tu la couches dès qu'elle monte un signe de fatigue. Exemple, tu peux pas te faire un horaire et dire à midi. OK, c'est à midi. Fait que même, je te laisse pleurer de 11 à midi. Non, non. Dès qu'elle commence, tu vois, là, quand ton enfant, tu commences à connaître ton enfant, à gosse, est fatigué, t'accouches tout de suite. Hey, elle a passé des siestes. Je vous niaise pas, là. Elle faisait des siestes de 11 minutes. Puis là, elle a passé du jour au lendemain à faire des siestes de 2 heures. Je capotais. Fait que je me suis dit, peut-être qu'avec les filles, ça marcherait aussi. Fait que tu te lèves à 6 heures. Ils jouent toute la journée. Salut, madame. Tu sais, ils se lèvent à 6 heures.
on joue à des jeux, ils vont courir partout dans la maison, fait qu'à 11h, ils sont brûlés. Fait que dans le fond, ils déjeunent le matin, on joue à des jeux, ils vont jouer tout seuls, puis je leur donne une collation là, vers 10h, quand même une bonne collation, là, tout un fruit avec soit une bâtonne ou quelque chose, juste avant de se coucher. Fait que là, ils se couchent de 11h à... Je vous dirais que les siestes à Zoé Lou sont de 1 à 1h30, puis les siestes à Eléa sont comme minimum 2h, tu sais. Avec, j'ai couché en même temps les deux, pas de son, pas d'image. Une heure et quart plus tard, Zoé, elle se lève. Fait que là, j'ai comme mon moment tout seul avec Zoé. Parce que Axel, souvent, je m'arrange, mais tu sais, on s'entend, là, il est avec nous, mais je parle, j'ai un moment avec Axel puis Zoé, mais surtout Zoé. Parce qu'Axel, souvent, c'est comme l'heure qui est en milk coma, là, vers cette heure-là. Donc, c'est ça. Fait que là, je profite du temps avec Zoé. Puis moi, j'ai fait dîner séparément les deux. Tu sais, c'est juste 2 jours. Là. Fait que pour moi, c'est pas tant important qu'on soit tous assis à la table en même temps les deux dîners qui sont avec moi. Parce que justement, j'en profite. Tu sais, j'ai le temps de faire à dîner quand ils sont couchés. Puis là, quand Zoé, elle se lève, c'est prête. Donc, elle s'assoit avec moi. Puis moi, je dîne avec elle. On jase et tout. Puis après ça, et Léa a le temps de se lever. Puis moi, je mets une émission à Zoé. Puis après ça, elle dîne tranquille. Puis après ça, on a toute l'après-midi. C'est ça que j'ai trouvé que c'était vraiment le fun depuis que je faisais ça. Parce qu'avant, on pouvait jamais dire, OK, cet après-midi, on va aller au 1, 2, 3 go. Parce que Léa s'est levée à 5 heures, genre. Je vous le dis, c'était l'enfer. Tu sais, imaginez, j'ai couché à 1 heure. Ça leur prend 2 heures s'endormir. Fait que là, il était rendu 3-4 heures. Le temps qu'ils dorment, des fois, on allait les réveiller pour le souper, puis on avait tout gâché la journée, puis moi, j'étais à bout, en tout cas. Fait que pour ma part, c'est vraiment ça qui fonctionne. Ils couchent à 11 heures, qu'ils dorment, ils dînent après. On a tout l'après-midi pour jouer dehors, puis ils sont plus faciles à coucher le soir, parce que justement, ils sont plus brûlés parce qu'ils sont debout depuis plus longtemps. Puis on soupe même chose à 5 heures, mais il y a une collation comme tout le monde, là, dans l'après-midi quand ils ont faim. Là. Souvent, ils me le disent. Ça, on s'ouvre vers 5 heures, puis la routine du dodo est la même. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Je vous dis pas que ma routine est meilleure que vous. Je vous le savez comment je suis. Je me pense pas meilleure que tout le monde, mais je vous le dis quand vous me le demandez. Alors, c'est ça pour nous. C'est ça qui est gagnant. Ça va super bien. Donc là, plan de match d'aujourd'hui, on en va arrêter le blabla. On est vendredi, cette semaine-là, là. Il annonce 20 degrés cet après-midi. Je capote. Je suis vraiment excitée. Ma terrasse est finie. Bien, tout le contour et le béton. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, je dois aller faire des commissions. Je dois aller trouver du savon lessive pour Axel parce qu'il n'y a plus les petites billes qui sentent bon là, de Ivory-Neige. Je dois acheter de la bouffe à lit. Je dois acheter de la petite déco qui manque pour la terrasse. Donc, je vais aller au HomeSense pour ça. Fait que Walmart, parce que ça l'ouvre à 8 heures. HomeSense. Et c'est quoi j'avais besoin aussi? Je me souviens plus. Je pense que je vais appeler mon chum pour savoir qu'est-ce qui manque. C'est pas mal ça. Après ça, si j'étais vraiment une bonne maman à la maison, il faudrait vraiment que je teigne le deck. Parce que là, tout le contour est en bois traité d'une couleur, tu sais. Puis le deck a été construit il y a 2 ans de la même couleur. Mais tu sais, avec le soleil, il est vraiment pâli. Donc là, je vais teindre le deck, puis si je vois que... C'est sûr qu'il faut que je teigne la terrasse quand même, mais pour l'instant, il faut que je teigne juste le deck. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, parce qu'il faut monter la pergola, installer tout sur la terrasse, parce que comme je vous disais, on reçoit demain. On sait pas s'il va faire beau, mais au moins, ça va être prêt. Puis ce soir, j'aimerais ça souper sur la terrasse. Ah oui, je vais acheter un nouveau parasol aussi au Walmart. J'espère qu'il l'a encore. C'est comme un parasol de sud, là. Tu sais, là, en tout cas, comment est-ce que je veux dire? Parce que le mien est noir, puis il a déteindu un peu avec le soleil. Ça fait vraiment suer. Alors, je pars. Je vais aller me chercher un déjeuner en route parce que j'avais plus de lait d'amande pour me faire un smoothie à vive. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans 2 secondes. Vraiment découragée, regardez ma face.
Imaginez-vous donc que Axel a pleuré tout le long de mon magasinage en se tortillant et en ayant des reflux. Ce qui veut dire que ça sent les intolérances. Pour ceux qui ne me suivaient pas avant, Zoé Lou avait des intolérances aux protéines bovines. Donc, j'ai allaité 6 mois en faisant le régime d'éviction, qui ça s'appelle. Je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que j'en ai en tabarouette des affaires à dire là-dessus. Je vais juste nettoyer mon comptoir. Et je vais vous montrer mes achats. J'ai été au Walmart et au Home Sense. Mais comme je vous dis, j'avais full affaire à acheter. Mais c'était vraiment pas facile avec Axel qui pleurait. T'sais. Au Walmart, je pensais que c'est parce qu'il avait faim. Fait que je suis allée dans la salle d'allaitement pour l'allaiter. Puis finalement, non, il se tortillait. Puis il voulait pas boire, il s'en foutait. En tout cas, fait que je vous en parle dans un prochain vlog. Je suis allée au Walmart pour acheter... Là, ça, je pourrais pas si je fais le régime, mais tu sais, j'ai acheté au Costco les burrata, là. Fait qu'il me fallait des tomates cerises, basilic pour faire les burrata. Je verrai si je commence aujourd'hui le régime ou si j'attends de voir si je pense que c'est vraiment ça. J'ai acheté aussi tout ce qu'il fallait pour les brochettes pour demain. J'ai acheté 3 paquets de ça et 4 paquets de champignons. J'ai pas trouvé les oignons rouges, mais j'imagine qu'il y en avait. J'ai juste checké vite à cause qu'elle pleurait. Du lait d'amande, j'aurais dû en acheter plus. On passe tout le temps à Zoé à une vie que de ça. Des melons d'eau parce que je veux faire. J'avais vu ça sur Pinterest, je pense, l'année passée. Là, je sais, j'ai des sacs de même. Là, j'avais amené mes sacs réutilisables, mais j'en avais pas assez. C'est ça. Je disais quoi? Ah oui! Que ça, t'es coupes en triangle, puis t'es mets sur un bâton popsicle, fait que les enfants, comme, ils peuvent le manger dehors sans qu'ils... Ben, c'est sûr que ça va faire du dégât quand même, hein, on se le cachera pas, mais ça va être moins pire. J'ai trouvé aussi, je vous avais déjà parlé dans mon vlog de ce bronzer-là, Butter Bronzer, qui sent le ciel que ma maquilleuse de Marabout apprenait et que je capotais dessus. Puis, elle, tous ses produits, c'est des produits qui vaut comme fucking cher. Fait que là, je me disais, j'essayais jamais de chercher ces affaires-là. Mais là, quand je me suis refaite maquiller par un autre maquilleuse, puis elle avait ça, j'ai demandé, j'ai dit, coudonc, je dis, où c'est que ça se prend, ça? Moi, me sentir de la coconut, là, j'aime trop ça. Vous savez, là, mon parfum que j'ai acheté pour l'été, c'était ça. J'ai mis dans sa balançon, mais il est pas bien. Ça sent, là, le Hawaiian Tropic. Puis, mon illuminateur était terminé. Je crois que c'était le Maybelline Locker Forget. En tout cas, je l'aimais vraiment beaucoup, mais tant qu'à le racheter, je me suis dit que j'essaierais l'illuminateur dans la même gang que le Butter Bronzer. Fait que, il y avait comme 3 sortes d'illuminateurs, puis il n'y avait pas de... J'insiste quand il n'y a pas de démo, là. Ah, je sens que... Mais je suis allée avec la couleur qui ressemblait le plus à lui que j'avais déjà, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Je sais pas s'il sent, lui aussi. Ah, oh, il sent pas. Ben, un peu, mais moins, là. J'ai pris cette couleur-là. C'est comme un rose pâle. Ouais, je sais pas si vous voyez, là. Bon, je vais aller chercher Axel pour continuer. Je vous dis, là, je suis un peu dégourdée. Allez, mettre dalle pour bébé, j'en reviens. Bien. Je vous dis, ça, c'est vraiment ma meilleure achat, l'écharpe. C'est fou. Bon, donc, j'ai acheté mon mix que je prends tout le temps pour le linge à bébé. Je peux pas laver mon linge si j'ai pas ces 2 mix-là. Fait que j'utilise le détergent Purex qui était en spécial et les petites boules de Ivory Neige. Pourquoi j'achète pas lui, Ivory Neige? Parce que je trouve qu'il sent comme... Il sent pas comme les bulles, je sais même pas comment ça s'appelle, rehausseur de parfum pour l'essayer. Il sent pas la même chose que ça. Fait que c'est ça. Fait que ça pis ça, ensemble, c'est tellement mon mix, ça sent vraiment Axel, je trouve. Là-bas pour mon chien. J'ai trouvé ce que je vous parlais. Oups, il y a pas de photo. En tout cas, c'est un parasol, mais tu sais, en paille, là, parce que l'autre, il commençait, il y avait comme des reflets de soleil. Mais je sais pas si ça va marcher, parce que
c'est comme une affaire. Je vais sortir de là. Tu sais, c'est comme une affaire qui va dans le sable, sauf que, tu sais, nous, on a un pied. Fait je sais pas si ça va marcher, là. Je vais tester ça tantôt. Très bien que oui, là. Mon chum, il va bien patenter quelque chose. Fait que ça. Et mes enfants vont capoter. J'ai trouvé un méga Jenga. Regardez ça. Oups, je suis à l'envers. Checkez ça. Il est huge. Marqué 86,3 cm. Les enfants vont capoter. Puis, petite anecdote. À notre mariage, nous, notre livre d'or, c'était ça. Un mini Jenga, dans le fond. On avait un pot avec toutes les... On avait deux pots en vide, puis il y avait un pot que c'était... Genre, on avait acheté là, 4-5 paquets de Jenga. Puis le monde écrivait un mot sur le Jenga, puis il le mettait dans l'autre. Il faisait un tour avec, en fait. Je le dis, on les a même pas lus encore. Faudrait que moi, mon chum, on fasse une game, puis qu'on lise les mots. Parce justement, c'était pour ça. Mon chum, on aime tellement ça, jouer à des jeux. Hey, mon contour est bien collant. On aime tellement jouer à des jeux qu'on s'est dit... Qu'on allait plus. Ça allait plus être un beau souvenir qu'un livre d'or qu'on ouvrira jamais, genre. Fait que je trouvais vraiment l'idée. J'avais vu ça sur Pinterest il y a des années. Puis je l'avais mis dans un. Toutes les filles ont un tableau mariage sur Pinterest, on va se le dire. Fait que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais piné. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. C'est trop original, je trouvais. Je vous ferai un vlog spécial mariage de toutes les petites affaires qu'on a faites, là. C'est sûr que je trouve que mon mariage était parfait, là. Mais en tout cas, ça peut vous donner un petit peu de trucs. Ensuite, je suis allée au Winners. J'ai acheté. J'y allais pour ma terrasse, puis un affaire pour mettre nos casquettes. Fait que j'ai acheté ça ici pour l'entrée, pour mettre les casquettes. Parce que les filles, ils perdent tout le temps nos casquettes dans la salle de jeu. Puis il y a même un... Je trouvais ça fun parce qu'il y a même un truc pour mettre... D'autres affaires, là, genre les clés que mon chum perd tout le temps. Fait que c'est ça. Je veux dire à mon chum qui est assis tantôt. C'était 30$. Je sais pas pourquoi je vous dis les prix, là, mais en fait. Là, pour la terrasse, parce que c'est pour ça que j'y allais. Je sais pas si je vous l'avais dit, là, mais on a acheté un kit de divan avec comme une table. Puis la table dans le milieu, c'est pas tant mon genre. Tu sais, comme en osier noir, mais avec une vitre, tu sais. Moi, tous les trucs que j'ai pinés sur Pinterest, c'était vraiment comme en osier le contour, puis la table, c'était des palettes. Fait que là, j'ai dit à mon chum d'aller acheter des palettes. Mais là, il dit que ça rentre pas dans le camion. En tout cas, je lui ai dit qu'il appelle mon père au pire. Fait que sur ma palette, dans le fond, j'ai trouvé un genre de centre de table, genre, que je vais mettre chaque bord. Sauf que ça, je pense qu'il va falloir que je le rentre pour pas que ça... Tu sais, c'est en tissu, là. Ça, puis il y a des petits pompons, je le trouvais trop beau. Pis ça, pour mettre comme dessus. Et j'ai trouvé, parce que chez nous, il y a full de bébites. Faut vraiment que je trouve une machine pour voir qui est vraiment puissante parce que c'est l'enfer. Mais regardez, j'ai trouvé ça. Puis elle est pas au citronnelle. Ben, elle est au citronnelle, mais elle est coconut. Vanille, coconut, citronnelle. Fait qu'elle sent vraiment bonne, mais il y a de la citronnelle dedans. Fait que c'est supposé comme éloigner les bébites. Elle sent vraiment trop bonne. Fait que je vais pouvoir partir ça quand on est sur la terrasse. Et j'allais surtout pour des coussins pour habiller mes divans d'extérieur. J'ai trouvé lui ici, trop beau. Qui était... En plus, le nom, c'est Alex et Zoé. Tu sais, ça ressemble à Axel et Zoé quand vous regardez de même. Et, il était 24,99. Là, je commence à être tannée. Et lui ici. Parce qu'en fait, je suis vraiment ensevelie. Parce que, en fait, je vais vous décrocher de là. Tadam! En fait, j'avais déjà des tapis. Fait que j'ai comme un gros tapis qui ressemble un peu à ça ici, mais qui est blanc et noir pour aller en dessous du coin, genre lunch. Puis des tapis en faux gazon. Je sais pas si je vous l'avais montré, là, mais pour mettre... je suis soufflée. Pour mettre dans le coin salle de jeu. Fait que je vous montrerai ça tantôt, là. Il annonçait full beau, puis il fait comme pas beau. J'étais un peu fâchée. Mais en même temps, ça va me laisser le temps de faire le reste de mon pliage. Vous savez comment je suis rendue bonne depuis une semaine.
Fait que je vais faire ça. Il me reste ça ici. Comme quelques petits morceaux. Et, hein, il m'en reste quand même pas mal, hein, des cicatrices. Coucou. Puis serrer le linge que j'ai déjà plié. Puis c'est ça, là. Ça va pas mal être ça, là. Faire un peu de ménage en dedans. Puis, mec, le soleil se pointe, je vais aller tout placer dehors. Fait qu'on va se rejaser plus tard. Mon lavage est à jour depuis une semaine, je capote. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement pas mon genre, là. Puis avant de tomber en congé maternité, je travaillais tellement que si j'avais voulu être à jour de même, il aurait fallu que je le fasse comme la nuit. Puis la nuit, ben, j'irais au Willow qui dormait pas dans ce temps-là. C'est trop bon. Le café glacé, là. J'ai mis le café pourtant, c'est pas de l'alcool. Le café glacé avec full glace puis du lait d'amande à vanille, puis c'est trop bon. Fait que ça va être parfait s'il y a des intolérances. Je vais pouvoir me faire ça tout l'été. Regardez ce que j'ai reçu, Max est arrivé. C'est tellement rapide, mon Dieu. J'avais commandé une balançoire de 6e degré. Je vous le dis, là. Une balançoire pour Axel. Là, il pourra pas y aller dedans tout de suite. Mais quand il va se tenir la tête, regardez. Ah, ben là, je pense que je vais plus vous la montrer quand elle va être montée, là. Mais je vous l'avais montré sur Instagram. Ben, hein. Attendez, là. Je pense que je suis croche, là. Elle va comme ça. En tout cas, tu sais, là, les petites balançoires comme ça. Puis regardez le motif. C'est trop beau. Fait que je vais l'accrocher comme sur notre pergola. Je suis trop contente. Hey, je l'ai commandé. C'est quand j'ai commandé? Vraiment, là. Cette semaine, en plein milieu de la semaine, puis là, on est vendredi. En tout cas, vous comprenez le principe, je suis sûre, là. Je vais vous montrer de toute façon, tantôt, quand ça va être fini. Le tissu a l'air tellement confort, ça me fait capoter, je pensais. Pour vrai, elle était pas chère, là. Elle était comme 85, je pense. En tout cas. Puis, je m'attendais, pour vrai, à ce que le tissu soit un peu plus cheap, genre, mais, hey, il est full épais. En tout cas, sérieux, je vous montrerai le résultat. Et j'ai reçu aussi ma commande de Precious Handling parce que j'en ai acheté un. Ah, elle m'a envoyé plein de cartes. Je vais pouvoir... Ça, c'est celle-là. Là, je peux pas vraiment les ouvrir, là. Ça, c'est un cadeau. Fait que je peux pas vous le montrer. Puis l'autre ici, c'est un cadeau, mais c'est ma belle-mère. Puis on va y avoir donné quand que le vlog va être en ligne. Est-ce que je l'ouvre? Je l'ouvre-tu? Ouais, je vais l'ouvrir. Désolée, belle maman. Je vais te le remballer, promis. Regardez ça. Je lui ai pris argent. Alexandre et Maxime en anglais. C'est, en fait, c'est son cadeau de fête des mères que les gars, en fait, ils ont allumé qu'ils n'avaient rien acheté. Puis elle m'a dit, je pense, la semaine d'avant qu'elle en voulait un. Fait que j'ai dit, j'en achèterais un. Alors voilà, voilà, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est Precious Templing. J'ai un code promo dans ma bulle code promo sur Instagram. Puis ça, c'est comme les modèles que vous pouvez choisir. Moi, j'ai le lui ici. Et c'est le 19 pouces. Et je trouve que la longueur est parfaite. Quand j'ai Axel en porte-bébé, exemple, ça, je le rentre dans mon chandail ou je le mets à l'envers. C'est rare qu'il me gosse, pour vrai. Là, ben, il me gosse jamais. Puis je l'enlève pas. J'ai souvent la question s'il ternit. Puis avant, je l'enlevais tout le temps justement pour qu'il reste beau. Puis là, il y a un abonné qui m'a dit, moi j'en ai un, ça fait vraiment longtemps, puis je prends ma douche avec, puis il n'a jamais terni. Et pour vrai, il est encore super beau. Il était juste sale, là. Puis moi, j'ai le rose gold. Alors, c'est ça qui est ça. Là, la partie ici est propre. Il va rester les chambres encore. Je pense que ça fait 60 vlogs que je vous dis ça, mais comme je vous dis, tout le temps, recommencer, les filles, je joue tellement haut que... Je vais le faire juste avant de recevoir demain. Puis au pire, ben, s'il n'est pas fait, c'est parce que j'aurais pas eu le temps. C'est pas la fin du monde, là. Fait que je vais aller aider Max à faire la pergola, puis on va monter notre terrasse, puis je vais vous montrer ça tantôt!
repas, sans produits laitiers. Je me suis fait la recette à mon ami Alex qui du saumon juste avec full mayo, sel, poivre. Puis il nous restait un restant de salade coquette. Je ne sais pas c'est quoi le repas, mais j'ai mis un peu de mayo, moutarde de Dijon, huile d'avocat, citron, jus de citron, sel, poivre. Puis j'ai couché petit poulet. J'ai couché Axel dans son lit. Deuxième fois, je le couche dans son lit. Puis la première fois, je l'ai couché dans son lit, c'était une sieste, puis il a dormi comme 3 heures dedans. Là, Max, il monte la pergola, puis imaginez-vous donc qu'il manquait des morceaux. C'est une pergola qui vient genre des États-Unis. C'est sur le site de Walmart, mais ça vient des États-Unis. Fait que là, mon chum, il essaie d'appeler en anglais, nanana. Puis, c'est ça. Il s'est pogné avec la personne. Il s'est pogné en anglais, c'est pas évident, là. C'est ça. Fait qu'on va faire une plainte. Mais là, mon chum me demandait si on voulait attendre qu'il nous livre, qu'il nous ship le morceau et tout. Mais non, là. Moi, j'ai hâte de profiter de ma cour, là. Colique. Fait que c'est ça. Mon chum va pas tenter quelque chose avec des bouts. Elle va être comme. En tout cas, c'est parce que sinon, ça va être un peu croche. Fait qu'il faut comme qu'il rajoute des trous. Fait qu'il va pas tenter. Mais c'est clair que j'ai fait une plainte. C'est trop pas mon genre, mais pour vrai. Pour un gros morceau de même, là, je suis vraiment déçue. Je trouve ça vraiment en poche. Fait que là, en espérant qu'Axel dorme un petit peu, parce qu'il faut que j'aille serrer ça dans les chambres, là, je vais dîner en écoutant le vlog de Tellement Mom. Et après ça, je vais sortir. Il annonçait full beau, puis là, le soleil, il commence à sortir, là. Mais il annonce 20 kecs, là, cet après-midi, mais il est déjà 2h30, tu sais. Fait que c'est ça. Je vais manger, puis je vais faire le tour de la terrasse tantôt. Coucou! Je vous parle de mon nouveau coin d'allaitement préféré! Wouhou! Écoutez, ça a été tout un défi, monter l'hostie de pergola. Sérieux, on a vraiment failli mourir de bâton dans le crâne. Puis, c'était. Pour vrai, j'aurais dû mettre ma caméra pour filmer, là. C'était puissant. Ben, puissant. Mon chum, il trouvait ça bien drôle. Mais là. C'est ça, je vais vous faire un tour quand ça va être terminé. Mais là, je suis un peu déçue parce que on n'arrête pas de se faire piquer. Fait que là, j'ai envoyé mon chum dévaliser le Rona de tout ce qui peut éloigner les bébites de cette terrasse. Je sais pas si je vous ai montré. Ah oui, je vous ai montré tantôt l'affaire de Django. Là, je vais le sortir de la boîte. Je vais déposer Axel, puis je vais le sortir de la boîte. Puis là, j'attends que les filles arrivent. On va finaliser la terrasse, puis on va manger du barbecue. Là, il est rendu à peu près 4 heures. Fait que je vous rejase tantôt. Je vais monter ça, cette petite colonne-là de Django. Les filles découvrent leur salle de jeu. Mais ça, c'est pour bébé. Ben, Marie, peut-être qu'elle pourrait y aller s'il est bien. C'est quoi le. Regardez le gros jeu. Quoi? Le gros jeu, là. Le nouveau chapeau à Maxime. De construction! Eh oui, mesdames et messieurs! Il est même trop petit pour toi. Attends, on va l'agrandir un peu. Il va manquer la table, mais là, on est comme à bout. Fait que c'est ça, je vous avais pas montré à vous le chapeau à Max. Max, on me demande où tu l'as acheté. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fourmis? Il y a des fourmis dans la maison. On mettra du stuff. Où tu l'as acheté? Je l'ai acheté sur le site internet Slide Protect, ça s'appelle. Slide Protect? Slide Protect. Slide Protect. Alors là, il va juste nous rester à mettre la table, mais on va faire ça demain parce que on est à bout. La pergola, elle nous a mis à bout, puis Axel, il est vraiment pas. Ben, pauvre petit, il file pas. Je crois qu'il y a des bobos au ventre, fait que on va mettre les filles dans le bain, faire à souper,
sans produits laitiers, sans protéines bovines. Puis je vais conclure ça ici parce que c'est ça. On est toutes brûlées, puis Axel, il est pas content, fait que faut que je m'en occupe. Alors, je vous dis un gros merci de m'avoir suivi dans cette journée de couette horrible. On se voit dans un prochain vlog.